Bienvenue tout le monde. Donc on va commencer notre aventure un peu tard. Hein. Un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Mieux que tard que jamais. Donc on va mettre en plein écran. Moi il me faut ça. Et pour ma chère femme, il lui faut ça. Donc moi j'ai le chat là. Et hop là. Let's go les amis. De menu désactiver, appuyez sur touche L2 pour l'activer. Faut que je baisse juste là. Option d'accessibilité, lecteur de menu visu en voix du lecteur désactivé parce que flou bouger 0 normal. Tout gaucher en mort. Ok. Texte normal. Continuer. On va essayer là, la main. Accepter. On n'a pas le choix d'accepter. Hein. Je sais même pas si j'ai fait ça. C'est un faux. Là, ça va pas toucher. Le plaisir de vous informer votre inscription en cinquième année au collège Poudlard école sorcellerie a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Et soin de vous envoyer quelques fois au début. Ok. Donc, ma sale gueule, c'est quoi? Couleur de peau, déjà, je suis un peu plus blanc. C'est quoi? Tâche et pas de tâche non plus. Tu vois ma tête quelque part à peu près? Mon teint de visage. Non. Là. Mais il y a un peu de tâche de grosseur quoi. Et tu peux les enlever là? Je sais pas, je verrai déjà. Donc. Couleur des cheveux. Normal. Cheveux, chevelure, non. Non plus. Là, ça, c'est pas moi. C'est tonton. Là, comme ça. On n'est pas. Là, dans le plus clair. Ok. C'est quoi? Ah, c'est la cicatrice. Là, c'est bon, j'avais tous mes grains de beauté. Attends, un peu plus blanc. J'ai pas de cicatrice. Les yeux. Couleur des yeux. Ok. Ok, bébé, les yeux bleus. Non, non. Non. Ouais, reviens derrière. Là. C'est gris, mais c'est pas grave. C'est attends, on va regarder. Là. ouais. Voilà. Couleur des sourcils. Voilà. Voilà. On fait au mieux, hein. J'ai hâte d'aller à Préolard. C'était assez incroyable. Okay. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous... Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. C'était captivant. Je crois que ce cours okay. va beaucoup me plaire. On va être normal.
avec mon vrai prénom. Pour ceux qui savent pas, maintenant ils le savent. Mon nom de famille, je vais pas marquer mon nom de famille. Ça serait trop facile. Eh bien. Voilà. Ah, tu veux vraiment même faire comme ça? Sorcier, sorcière. Ok. Commencez votre voyage. Let's go. Bon, on peut aller plus sans, je mange pas. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec vous. Pardon ? Comment ta bonbonne ? Oh ! Eléazar ! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Oui. Je dois dire que j'ai connu le chat de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, Non, n'en parlons pas ici, Eléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et un problème de la réparation. Ouais, nous pas grave. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre. Enlève et relance. Les cartons mystères. Et va là-dessus. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce. Quoi, tu peux agrandir encore un peu plus, hein. Hein? Ok, il est où le cheval? Ok. Même une pub McDonald's, quoi. On a passé la petite intro. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel. C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Dire. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrok. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Et c'est ta femme, Eléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrok avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. Okay. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer. Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrok. Je ne peux pas l'ouvrir.
La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous... Attendez. Non. Oh bordel, je vais se faire bouffer. Amandine 1, Séverine 0. C'est elle, tu l'entends? C'est l'inverse d'avant les bébés. Ça sonnera mieux comme ça. Tu sais. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Ok. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi. On sent le jeu, il est magnifique. Hein. Les petites minutes là. Ce porte loin nous a-t-il emmené? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, c'est ruine. Vous pensez que le porte loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte loin. Même dans le casque, hein. La personne est à droite, il y a juste l'oreille droite qui parle. On tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Bon, voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Merde, là. Oh mon gars. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. On vient. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie.
la glace ? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Avec lance-rayon, performance. C'est pas ça. Mire, tu vas caméra activée. J'ai pas la mire. Encore, tu veux manger? Là, deux, ici, et deux. Bah, deux, y a rien en fait. Mire, tu vas quand même activer, inverser la caméra. On va gameplay maintenir pour viser. C'est normal. Accélération, sensibilité. Mire, activer, inverser, inverser, fonction. Non, vibration. Active. On va diriger votre balai. C'est ça, changement, reprendre cela. Le L2 il fait rien. Ok. Appuyez sur le ah, ok. C'est avec la. Il fallait pas que j'appuie entièrement sur la gâchette. Si j'ai plus ça agache entièrement, ça marche pas. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. C'est un peu plus loin. Mais c'est fermé. Mais il n'y a pas de pont. Accrochez-vous bien. Préparons. Ok. Pas simple, hein. Nous y sommes presque. Qui a pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-loi nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose.
intéressant. Mika, vraiment, paresse. Au milieu de la mini-car qui est connue. La ville. Hein? La ville. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Professeur, cette statue devait sans doute vivre ici. On fait le tour. Enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer enfin? C'est quoi ça? Professeur Fig! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Sarlo, par Merlin. Je vais le gobelin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Toujours en train de dormir ces gobelins. C'est impossible. Un petit instant. Sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte au loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. On te suit, t'inquiète. Suivez-moi. Ça prend du temps. Voilà, 40 balles. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du wagon. Si vous ne voulez pas. MDR. Tu crois vraiment que pas essayer dehors tes mains? S'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration.
Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. On est installé, on n'a pas vu du manège. Spectacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Allons-y. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais toi... Ah, c'est bon, je crois. Professeur, je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révelio, peut-être. Non, c'est Philippe. Révelio ? Oui, c'est de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Si, on rappelle. On patine. Chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Bisous à mes parents. Ah, c'est un ça fait toujours la même chose en fait. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos. Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Ouais. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Mmh.
j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Revelio ! J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Ok. Deuxième sort appris. Lumos, bravo. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Modine. C'est l'objectif prévu sur le chemin à suivre. Mourir, moi. Je me demande pourquoi je joue. Utiliser les protecteurs face aux attaques. Ok. Peut-être j'y vais. Ça, c'était un peu logique. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Protego, Revelio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Je dois aligner toutes ces statues.
Ok. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Ok. Parce que l'impacteur est aussi ennemi avec le stupid pix. Ah oui, celui-là. Ok. Putain, fais pas attention. J'étais dans le coin là, je pouvais plus rien faire. Un petit limos. Passe par là. Je vois des statues là. Et une porte. Petite porte, tranquillou. Il est masse. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si. Tout est en place. Le porte-long est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui. Et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux.
cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver sa puissance. Mais sans succès. Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Ça a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas, mais monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Lui, il est mort. Non, pardon plus. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Le gardien. Ok. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Elle répondra pas. Mais où sommes-nous? Au moins 4 fois. C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. Ok. Allons-y. Attends. Belle intro déjà. Ah, il est beau le jeu, hein. Et quoi, on n'a pas le meilleur écran. Si on aurait un écran 120 ou 140 FPS, c'est déjà mieux. Donc de 460 là. Très bien. Non, mais pas très bien. La PS5 a pas eu plus mieux que ça. La Rita Poudlard. On est dans
pas grand chose, 20 balles, hein, tu sais. Je sais pas, je vais le faire aujourd'hui. 24. Oh bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Téléphone. Ça, des complications. Téléphone. Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vous... Lille. Gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Oui, allô? Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley! Il reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Oui, juste à l'instant.
Moi bien, hein, vous inquiétez pas, hein. Je suis juste au bout du fil, hein, quelqu'un qui est important.
Je suis de nouveau à vous. Désolé. Hein. Ça va. Bon, on lance la chose. J'ai hâte de commencer. Je les mets en bon de maille. Au moins, j'ai pas besoin de prendre du compte. J'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves. Je crois que tu vas rester là toute la semaine. Tu peux pas chercher une chaise. Alors, je mets la télé qui vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous, une sorte de... Qu'est-ce donc ? Alors, de l'audace, de la curiosité, de la vérité et de l'ambition. Une loyauté à toute épreuve ? Je suis un véritable... En plus, c'est vraiment vrai, les gars, ce que je vous raconte. Hein. Retarder votre arrivée ce soir. Non. Vous seriez peut-être à l'aise à Pouf Souffle. Eh hey, Bella, tu avais Call of Duty 5 euros. Tu l'as celui-là? Je crois, ouais, je crois que tu l'as celui-là. Alors, non, moi je veux Gryffondor. Bien sûr que je viens celui-là. Pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Mais c'est là pour la bravure et l'audace. Ah, j'ai l'audace. Non, la curiosité. Et c'est un deck poursuivre, c'était quoi? Patience, loyauté. De... Vas-y. On va prendre ça. Vous serez donc chez Pouf Souffle. Super, Pouf Souffle. De l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Comme par hasard. Silence ! Je n'ai pas interrompu totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Moi, ouais, je suis sûr maintenant. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire. Vous avez compris, hein? Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis. Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ce sera peut-être difficile. Mais je suis sûre oui. que vous en avez vu d'autres. En effet, professeur. Bon, nous voilà à l'entrée de la salle commune de Pouf Souffle. C'est donc ça l'entrée? Exact. Je vais vous expliquer quoi faire, mais je ne le ferai pas moi-même, parce que la moindre erreur entraîne une projection de vinaigre. Je n'y tiens pas.
Il faut tapoter ce tonneau, le deuxième en partant du bas, au milieu de la deuxième rangée, au rythme de Helga Pouf Souffle. Très bien. Maintenant, allez donc vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez. Et que tu vas bien dormir. Tu te rappelles quoi ? Je te rappelle aujourd'hui ? Qui ? Le garage ? Ah ouais, il était déjà en ligne là. Tout le monde est déjà parti ? Bienvenue à Poudlard, qu'est-ce que c'est ? Tu cherches quoi ? Ils sont là derrière ? Ils sont en bas et au milieu ? Waouh ! Ok, là pour ça je peux rien faire. On va un peu avancer dans l'histoire. Ok, pour ça je peux rien faire. Mon oncle, je ne vous reconnais pas. Quelque chose ne va pas. Oh, bonjour. Tu viens d'entrer à Pouf Souffle, non ? Je suis Adélaïde, ravie de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Tout va bien ? Oh, oui, mais j'ai la tête ailleurs, à cause d'une lettre. Après, t'es sûr que c'est officiel ? Sinon, dis-moi. T'es sûr que c'est officiel ? J'ai entendu toutes sortes de rumeurs. Tu as là, ils disent, t'as reçu le mail, hein ? Avec les justificatifs et tout. Ah ouais, je sais. Bon, t'as fini, Marie, là ? Ok. Rumeur est vraie. Assez unique comme rentrée scolaire. C'est terrible. Je suis ravie que tu aies pu arriver jusqu'ici. Bref, je suppose que tu as beaucoup à faire. J'espère que tu passeras une excellente journée. Tu es sûre que tout va bien avec ton oncle ? Oh oui, il voyage pour son travail, il est très occupé. Il a dû m'écrire alors qu'il était pressé. Il n'y a pas à s'inquiéter. Merci, Adélaïde. À une prochaine fois. Au revoir. Bonne chance. Venez, il est parti par là. J'espère qu'ils pourront l'attraper. C'est un grand château, un élève peut s'y perdre, alors imagine un chat. Mais je suis sûr que toi, tu vois vite tes marques. Cela peut paraître un peu écrasant au début. Moi-même, je m'y perds encore parfois. En fait, bienvenue à Pouf Souffle. Je suis vraiment content de t'avoir dans notre maison. Je m'appelle Arthur. Merci. Ah merde, tu peux... je crois que j'ai pris les... Les coffres à ouvrir. Il appartient à un élève de première année, je crois. Ouais. Je n'ai pas d'animal de compagnie, malheureusement. Ma mère ne les aime pas. Surtout ceux qui sont magiques. Désolé de l'apprendre. Moi, je trouve les créatures magiques incroyables. C'est pour ça que j'ai été content d'arriver à Poudlard. Les nifleurs, les gringe-bourdons, les beaux trucs. Je croyais qu'ils n'existaient que dans les livres. Enfin... Un jour, mon père a ramené un boursouf à la maison. Ma mère était furieuse. Bref, je devrais aller m'assurer que les premières années ont attrapé ce chat. Je ne veux pas qu'ils soient en retard pour leur premier jour. C'est un plaisir de te connaître, Arthur. Bonne chance pour ce chat. Merci. Essaie de ne pas te perdre dans le château non plus. Ok. Allons voir. Majestueuse, n'est-ce pas ?
C'est ton hibou ? J'ignore à qui elle est. Probablement à un de ses poufs souffles. Après tout, les hiboux choisissent qui ils fréquentent. Attends, tu es le nouvel élève de 5e année ? Ton arrivée était spectaculaire. J'imagine que tu ne tiens pas à attirer l'attention sur toi. Surtout que tout le monde va vouloir savoir où tu en es dans tes études. Ah, je m'inquiète un peu. J'ai beaucoup de choses à rattraper. C'est vrai. 4 ans d'études, ça fait vraiment beaucoup. Si j'avais autant de retard, je me sentirais incompétente. Bien sûr, tu dois savoir travailler dur comme tous les poufs souffles. Tu feras très vite tes preuves. Je travaille dur aussi, comme tu t'en doutes. Mais parfois, je me dis que je devrais être une fière d'aigle. J'ai l'esprit très vif. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Enfin. Je m'appelle Lenora, au fait. Lenora Everly. Bon, je ne te retiens pas. Tu dois avoir beaucoup à faire. C'était un plaisir, Lenora. Bien sûr. Au plaisir. La dernière recrue du pouf souffle est-elle enfin levée ? Le professeur Weasley voudrait lui dire 2 mots dans la salle commune. Alors, j'y vais. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en 5e année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E. Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Okay. Tenez, voilà. Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en 5e année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Ok. C'est parfait. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Ok, on te suit. Par ici. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile pour les sorciers quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Lancez simplement Réveillon dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Réveillon. Il devrait rester des œufs maison. Pour débloquer un défi guide sorcier, vous progressez dans les défis affichés ici. Les défis guide du sorcier sont les seuls moyens d'obtenir des points d'expérience. Niveau 1, équipement. Voici, 1%. Guide sorcier, ce que ça demande en bas. La récompense doit être récupérée au menu. Pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Amandine. Et il déterre. Ah,
cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une clé du château. Encore Amandine. Cherchez le hall central. On rappelle Amandine. Cinquième fois. C'est cette zone de grande salle. Merci. Les flammes aux cheminettes représentent les flammes que vous avez découvertes. Je sais. Mmh. Putain, bah, il va voir. Je sais pas, moi. Voyager. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château, notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège. Alors, c'est du mal. Défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre après au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronan. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Sur les cours de défense contre les forces du mal. La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Ekat pour enseigner cette matière à nos élèves. Vous avez mentionné Préolard, professeur. Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûr, nombre de bières au beurre avec vos amis. La bière au beurre. C'est beaucoup pour un premier jour et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré. Je vais pas avancer. Et je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on le monstre est là. Professeur Fig. Vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Oh. Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur.
professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Ok. Réveillon. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley? Je n'ai pas osé mentir. Mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la pour que je vous montre. Voilà. Pose l'icône principale. Terminer la quête principale pour progresser dans l'histoire, débloquer de nouvelles fonctions et obtenir de l'XP. Certaines quêtes sont verrouillées par un sorcier et nécessaires à certains niveaux. Dans ce cas, vous devez atteindre le niveau requis ou maîtriser un sorcier nécessaire pour activer la quête. Les bonus peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs ou autant que les récompenses de quête. Okay. Suivez les quêtes disponibles. Le sortilège, vas-y, on va y aller sur cette quête. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très bien. Tout le plaisir était pour moi. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous. Maintenant, ouais. Et écoutez bien. Ce que vous apprenez c'est un bouton. Ces murs ne vous servira il t'attend. Que pour votre but. Il a touché, il est dur. Il est terminé. Nouvel objet débloqué. Gros sortilège. Aucun devoir. C'était un gros sortilège ici, mais ok. Ok. Je sais rien. Ok. Équipement. Aucune protection magique, voilà. Pour ça, il n'y a rien de particulier. Ah, si, là. Donc, comment enlever les. Pas besoin de lunettes.
collection. Là, ici, j'ai reçu un truc. Là, il n'y a rien d'autre. Quête. Termine de quête pour le scénario. Yes. Encore là, quelque chose encore. Il n'y a plus rien. Défi combat. On va les faire, de toute façon. Je pense qu'au début, c'est... Et je me suis dit, il y avait un problème, là. C'est ma gueule. Je ne pouvais pas passer. Notre premier cours. Quoi, c'est tout? Professeur Ikat, soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso ? Un sortilège de lévitation ? Levioso ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, Monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien. Travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Dites-moi tout, professeur. Levioso. Essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Voyez comment le mannequin a dévié votre sort. Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un Levioso. Bien. À présent, bravo. Ok. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelliste à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Levioso, tu es en forme. Je sais. Beaucoup de chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Ça complique les choses. Levioso, j'espère que vous avez tout. Regardez.
Voilà comment lancer les deux sauts. Protégo. Les deux sauts. Croire que ce soit ton premier duel. C'est juste que... Si seulement tous mes élèves étaient aussi appliqués. Quelle perspicacité. Stupéfix. Les deux duels animés sont passionnants. Tentez d'anticiper ce que votre adversaire... Protégo. Les deux sauts. Regardez votre adversaire pour savoir s'il faut attaquer... Le pauvre, j'ai déglingué. Il est blasé, le pauvre. Mais ça fait 5 ans qu'il a pris de l'arme, c'est quelques jours. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Pouf Souffle. Merci, professeur Ekat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire à la légère, que vous ne bien pouvez sûr. Pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien, le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Ah ouais. Je ne suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Là, c'est pas carton blanc, si. Pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Du talent, il a du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. Même dire. À la poche pleine. Quinze PV de plus. Qu'est-ce que vous mijotez ? Vous mijoterez, nous. Il faut monter. C'est encore plus haut. Montons toujours plus haut. Derrière toi.
Il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronner? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer... Il a envie de mourir. J'aime bien. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Ok. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Onai. Déjà. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recette commencer? Tout simplement, lancer Axio sur l'une des actions, puis révoquer le sortilège. Superbe! Bien. Vous voyez cela? Oui. Machine de guerre. Par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. Ok, 50 points, 50 points, mais je suis une machine de guerre. J'étais sorcier toute ma vie. Non, va pas trop loin, va pas trop loin, non. Gardez votre calme. Très bien, des points pour Poupsouffle. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onai, voulez-vous bien défier... Non, un petit défi avec... Mademoiselle Onai, vous serez rouge, compris? Compris. Voyons voir. Voilà comment on fait. Action.
C'est un bug. Hein? Attends après. 50 points aussi, même par hasard. Un score parfait, c'est remarquable. Match une plateau d'attraction, 150 points. On peut pas faire mieux aussi. Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Okay. Un point. Non, non, trop fort. C'est pas grave. Elle est vraiment très forte. Hein? C'est tirer la boule. Le plus grand possible. 50 points. Et toi? Donc je mets dans les 50 points au mieux. Ah ouais. Superbe. Bon, c'est pas bien, hein. J'ai perdu quoi. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps. Ouais, bien, on va y arriver plus tard. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'en utilise à Ouagadou. Tu peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici. J'espère bien pour toi. Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Normal. Il vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains. Si tu bien sûr. Parler un instant, en réalité, il faudrait vous vouliez me sur les parler, professeur. En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh
bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Missionaille est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre. Ah, c'est trop fort, Taboul. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Ok, ça c'est fait. Deuxième cours appris. Bonjour, tu voulais me parler ? Samantha Dale, j'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. C'est pas, ça fait penser à Harry Potter la première année, quoi. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Merci, mais ce n'était vraiment pas si compliqué. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Même s'il faut bien dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. J'ai apparemment un peu plus de difficultés que toi avec les leçons du professeur Ronan. Okay, maintenant, c'est quoi retrouver le professeur Weasley? Voilà. Non, il y a un coffre ici. Mais je pense qu'il ne doit pas être. En route pour de nouvelles aventures. On rejoint les gobelins dans leur révolte. Où est-il ? Et finalement, c'est Albert Boot qui est devenu ministre de la magie. Non, c'est faux. Oh, oh je reste avec vous. C'est... Et là, j'ai rien fait. On voyage ici, c'est au plus près. Suivre un peu. Continue. C'est le projet. Quarante-six.
âge du guide. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. Rebellion. Je peux t'aider ? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de Joute Magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Et circuit ? Ça t'intéresse ? Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant. On va commencer, on va foutre le feu. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Aïe. Victory. Bah, les premiers duels, je pense, c'est un peu compliqué, donc on suit les touches. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. Mais oui. Te revoir ici bientôt. Maintenant, c'est fait. Hibou Express, là, non. Là, il n'y a encore rien. Ils sont niveau 3. Bon, la carte. Si, je dois aller. Encore aller, et là, voilà, on a déjà vu quelques-uns. Donc, on va voyager ici. On va voyager, quand.
rébellion. Il y a un cop juste derrière. Nickel, 61. On récupère un peu d'argent. Hein. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Réveillon. Il n'y a rien. On fait un peu tout. C'est une salle de classe. Graphiquement, un peu n'est pas assez rempli. La jeune personne viendra étudier pour de l'art en cinquième année. Elle tient qu'elle a besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre des bases avant de plus. Je vais vous confier cette tâche. Allez voir qu'elle soit restée pour en savoir plus. Donc, c'était mon arrivée, donc j'étais au courant. Descendre encore un peu. Je regarde ma carte en même temps. Hein. Là, là, là. Là, là, encore. Faut encore descendre. Eh, mais le château, il fait 50 mètres de haut, quoi. Continuez. J'étais sûr qu'il y avait un guide là. Voilà. Mensonge. Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Un gobelet de maison. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui. Franchement, il te rappelle, hein? Professeur. Hein? Franchement, il te rappelle, hein? Attends. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses. Ça me pressait? Pas derrière? Par ces ruines. Pas derrière? J'ai le sentiment. Pourquoi? Mais ils ont depuis déjà tout fait. Ah, tu m'as dit non avant. Si, hier déjà, t'as dit non. Et chez NO. Les Nordica, ils font pas de garage. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasorts. Merci, professeur. Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt. Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Ok. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être.
peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Ouais. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus okay. Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Une bière au beurre aux trois balais. Ok. Vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Là maintenant, le cours il s'est affiché. On va pouvoir recevoir le premier devoir. C'est rien de niveau 1. Ah, il est là. De toute façon, c'est très ligne droite, donc on va les faire pour être plus tard. Sort à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres, le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également. Mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Je vais commencer tout de suite, professeur. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Récupérer la page volante près de la statue. Dans les parages. Fantastique. Oh, très facile. J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été trop. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énoncé et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Cette chose de réparation de les objets d'endroits cassés dans votre environnement. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. C'est réussi. Devoir terminer 1 sur 2.
rébellion. Ok, c'est là-dedans. De niveau 1, toujours. Tiens. Plus 20 PV. J'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préolard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une... Préolard, je veux dire, chemin de traverse. À 5 heures, on y va, une poêle. On a pas longtemps. On a pas pour longtemps. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment ? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. J'espère bien. Préolard est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. T'aimes pas le froid, c'est ça? Oh, le froid ne me dérange pas. Le village, il a 400 bornes ou quoi? Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes. Ah, qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Regarde, dans la forêt interdite, des hippogriffes. Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. On récupère. Je suis sûr qu'on en aura besoin. Caracol et sabots de velours. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Parce qu'on a fait 300 bornes là. Il y a Préolard, après cette ruine. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surpris quand le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien la zone. Comme tu es relativement nouvelle par ici. Non. Elle a dit ça. C'était presque cette fois-ci. C'était presque. Ça vient. J'apprends beaucoup de choses en classe. Il y a plein d'enseignements à tirer. Le choisir qui ? L'enceinte du château. J'aurais pris Bryce. Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi ? T'as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a... Bon, moi je suis déjà mort depuis longtemps. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère.
À quoi ici? Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Ok, c'est vraiment linéaire cette fois-ci. Bonjour Monsieur Moon, connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onai. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Moon? Une demi-aiguise, immonde et poilue, et terrifiante. Bonne chance, vieux fou. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre monsieur Moon, une demi-guise. Là, je peux récupérer, j'en suis sûr. Encore. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement après Olar. Je serais ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nati. Merci. J'ai 60 bornes en courant. On y arrive au... toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches après Olar. Le professeur Weasley t'a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Ollivander. Monsieur Ollivander. Et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux et tu auras même le temps d'explorer un peu. Ok. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Il faut une boutique, votre point d'intérêt, dans laquelle vous pouvez naviguer en utilisant la carte de votre... Ouvrez la carte. C'est quoi faire? Libérer respect dans les noms, ok. On va aller chez lui. Déjà, on va chercher ma baguette. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette. Oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, j'ai... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute, vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Non. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. C'est pas celle-là. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Je m'inquiète pas. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare. 35 cm. Cœur de dragon. Vas-y. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère.
la démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Où es-tu? Hein? Peut-être que... Ah! Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y. Prenez-la. Ok, on la prend. Non. Intéressant. Pas du tout. Étrange, très étrange. Étrange, très étrange. Donc, ça vient fabriquer des câbles. Vas-y. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Oh, oh. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, oh, oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. J'imagine, et oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Déjà ? Juste un petit truc. Hein. Bon, ouais. $44. C'est quoi, Arctic Sport? Mon parchemin, des baguettes, la vie magique. Ok, je vois juste un peu. Big deck. Faut aller ici. Un esprit curieux. Excusez-moi, je suis là pour les créasors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh,
Mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, Monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Ok. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Ah non, 75, putain. C'était 73. Et Amandine. Voilà. Non. C'est à monsieur. Donc, le rempotage est fait. On va juste aller ici. La petite ruelle. On va juste allumer. Voilà. Un petit feu. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Laowang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois. Oui, on va y aller, oui. Calme-toi. Oh, eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous ? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions ? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont vraiment si polyvalentes ? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de fromages. Non, c'est bon. Emplois, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord Les deux recettes en haut. Celles qui sont gratis pour l'instant. Mais après, j'ai plutôt pas l'argent. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Pas l'argent. Ça, c'est fait. Bonne nuit. Donc voilà. Bon retour ou pas? Non, c'est eux qui font le bon retour. Mais t'attends quoi? Mais non, mais c'est eux. C'est là, directement à mon jardin relais. Et il dit une étiquette. Tu sais comment je stresse, moi. Comme d'hab. Attends, je termine juste cette petite mission, là. Comment on a tout fait. Bonjour, bonjour. Bébé. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, la barbe de Merlin. Pour l'élève de cinquième année. Alors, c'est vous? Par la barbe de Merlin. Commencer à Poudlard en cinquième année, ça doit être éprouvant. Pas du tout.
J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Le navet magique. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les... Donne-moi mes graines. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame. Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit. Ça coûte cher aussi, hein. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Nancy. Et 6 petits pesos. Ok, uniforme préféré avec gilet. Ah, tiens. Il y a un livre. Parfait. Oh, tiens, plein de petits trucs à chercher ici. Encore. On va vite monter. Bon, moi je suis obligé de vous laisser parce que j'ai un truc à faire urgent, MDR. Donc je vous dis déjà merci pour votre passage et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.